Hop, le jeu est lancé. Donc, on se retrouve, chers amis, sur Mech Arena. J'ai l'impression que je suis toujours malade. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Il y a eu pas mal de choses qui s'est passé en jeu. Et ça, c'est hyper hyper cool. Que je vais vous en parler directement en vidéo. Du coup, je vais juste vous parler... vite fait de mes progressions en jeu, rapidos. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos sur ça, parce que il y a pas grand chose d'intéressant malgré du combat. Même si vous êtes intéressé par le combat, malheureusement c'est ça le truc, donc ça me cause beaucoup de temps, ça, je pense que les combats ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais pour me remédier à ça, en fait j'ai essayé de trouver un moyen de faire des séries de vidéos. Bah, sur les combats de Mech Arena pour vous, ça serait cool quoi à regarder. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Après, ils ont annoncé le Gear Up, mais ils ont pas toujours changé. Ils ont toujours pas mis en place ce nouveau truc. Et du coup, j'attends toujours. J'ai l'impression que ils veulent pas le mettre alors que de base, ils sont censés le mettre. Peut-être après ce playoff, à mon avis. Je sais pas. Vous avez pu remarquer que j'ai plus de coffres. Hein. Les coffres, ils ont baissé. Et mes crédits aussi. Alors, je pouvais avoir, j'avais 1 million de crédits, du coup. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que j'avais fait le playoff pour les hamburgers. Ou les hamburgen. Je sais plus comment ça s'appelle. J'appelle toujours les hamburgers. Donc, je vais juste vous parler à propos de mes avis de cette arme. Que je la trouve intéressante. Pour le niveau bas, mais pour moi je trouve pas intéressant niveau au level, parce que cette arme a un défaut, mais il a une particularité, et à mon avis je pense qu'il va être buff cette arme, parce qu'il a vraiment du mal en vrai. Il fait pas assez de dégâts, alors qu'il fait beaucoup de dégâts au niveau débutant, mais au niveau je trouve que c'est débile, parce que il y a une contrepartie, c'est qu'il y a moins de précision. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous en parlais en vidéo. Comme ça, c'est fait. Commençons par le Gear Up. Bah, ils ont toujours pas annoncé, dans le sens à l'avoir cette semaine, même pas. La semaine dernière, on devait l'avoir, mais toujours pas. On a toujours pas reçu. Je suis bientôt à les 6000 de pièces. Allez, les gars. Donc je pourrais acheter un nouveau robot. Je crois que les retraits pièces A, ils sont maintenant payants de ce que... non, les retraits des... Voilà, le remboursement, vous voyez, maintenant, je dois utiliser des pièces A. J'ai l'impression qu'ils sont moins chers qu'avant. C'est intéressant. 25 de pièces A pour Epic, c'est donné. C'est vraiment donné, 25 pièces A, c'est donné. Je crois qu'avant, il me semble que c'était pas le cas du tout. Est-ce que ça dépend en fonction de ton amélioration? On va tester, vite fait. Voir ça sur Rosa, tiens. Ouais, non, en fait. c'est cher. 750 pièces A, c'est cher. Sachant les légendaires, ça doit être pire. Donc, ouais. C'est dommage. Ce qu'ils ont fait, ils ont dû le garder définitivement. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça nous bloque beaucoup sur Mech Arena de créer notre composition. Mais enfin bon. Du coup, nouveau playoff. Je le trouve useless à part gagner des implants légendaires et des coffres. Je le trouve pas intéressant du tout. À part les clés de fortune, pourquoi pas. Mais ouais, sinon, je le vois pas intéressant ce playoff. Après, j'ai émission. En prouesse, je suis à 116, les gars. 116 de prouesse. Je vais juste les garder en revanche pour faire. Pour faire mes. Comment il s'appelle? Mes playoffs, bien sûr, évidemment. Parce que peut-être il y a des playoffs qui me demandent avoir. Tant de pièces A. Du coup, voilà.
Du coup, ben, là, on va vous parler vite fait de l'arme hamburger parce que je le trouve pas pratique au niveau. Parce que, bon, moi, je l'ai eu à 2 étoiles. Mais il y a un petit problème. Je cherche, mais je trouve pas. Ah, il est là. Les hamburgers, pas les hamburgers. Ouais, pareil. Vous allez voir dans les stats. Regardez dans les stats. Déjà, niveau 1. Une seule étoile, c'est intéressant, mais pas trop. En fait, ça reste intéressant quand tu débutes vraiment sur Mekarena. Quand t'es à 500 ou 200 de puissance. Ok. S'il est vraiment pas up. Hein. Du coup, il a combien? C'est quoi qui est intéressant au niveau 1? Ben, en fait, c'est juste ses dégâts par tir et ses dégâts par magasin. Et toi, niveau suivant? C'est donc niveau 2 étoiles, il fera plus de dégâts par magasin, intéressant, et plus de dégâts par tir. Donc ça reste intéressant quand même au bas niveau. Niveau 3, bah, plus de dégâts par tir et par magasin. Niveau bah, 4, c'est plus de dégâts par magasin et plus de dégâts par tir. Sachant que le plus important dans le hamburger, c'est dégâts par tir et pas dégâts par magasin. En fait, les dégâts par magasin, c'est plutôt la totalité qu'il peut infliger, si vous préférez. Donc, c'est surtout ça. Après, vous avez les donc les Embergen niveau 4. Non, niveau 5, pardon. Que je trouve encore faible, malheureusement. Ça augmente un peu de puissance, on va dire, ainsi pour les dégâts pour magasin. Et la version 6 étoiles plus améliorée, ça augmente. Mais je le trouve pas intéressant. Sachant que il me semble qu'il y a d'autres shotguns qui peuvent être vraiment intéressants à y jouer. Franchement, par exemple, lui. Dites-vous que lui. Non, mais sachant que lui, il fait plus de dégâts. Sachant que c'est des fragments gun, c'est juste abusé. Comme quoi, je trouve que le Amber Gun, il fait pas autant de dégâts que ça. Mais on va voir sa particularité, c'est la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque est de 1,5 secondes. Et il peut taper jusqu'à 2 fois. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Purée, j'ai pas de poteau là pour se connecter, pour tester. Ah mince. J'aimerais le tester en vrai. On va le tester par des bots, hein, les gars. Alors. On va chercher les hamburgers, les gars. Et pas les hamburgers. Hop, hop, et hop. Il n'y a pas de... Franchement, j'ai envie de tester sans pilote. Et après, on va tester avec pilote, bien sûr. Hop. Match personnalisé. J'aimerais bien mettre un pote. Égaliser les équipes. Normalement, j'aurai un bot, sûrement. On va faire 2 contre 2 et Ruel. Voilà, c'est juste des tests, les gars. Ouais, c'est ça, 1 contre 1. Parfait, comme ça je vais le tester juste 3, pour vous. Pour le 2, montrer en vrai. 1, Ça pourrait go. être vraiment intéressant. Get out of my way. Bon, sachant que là, regardez. Vous voyez, premier tir. Vous voyez, il utilise directement ses 2 charges. Donc, en fait, bon, déjà, un tir rapide, ça c'est sûr. Mais par contre, il va tirer 2 fois, ce qui est cool. Donc, sachant, ça fait ça. Vous voyez que ça fait pas beaucoup de dégâts, ça sent que c'est un comment il s'appelle? Un je sais plus comment il s'appelle, c'est du bouquet, mais vous m'avez compris. Par contre, je le trouve intéressant sur le Orion parce que ça double ses dégâts, vous allez voir. Je mets pas mal de dégâts en vrai. Là, je mets des dégâts.
Et il a une distance de 30 mètres. Jusqu'à 30 mètres, vous pouvez aller attaquer. Mais par contre, il y aura moins d'efficacité. Ah, je suis mort. Il y aura moins d'efficacité. Donc, à le savoir. Donc là, regardez. Si je le mets derrière, j'arrive pas à l'attaquer, mais... Vous voyez, plus je suis au corps à corps, plus je ferai beaucoup de dégâts, si vous voulez. Mais si vous êtes au corps à corps, vous ferez plus de dégâts. Mais si vous n'êtes pas en corps à corps, mais plutôt à distance, ben vous ferez moins de dégâts. On peut retester ça. Où il est? Vous voyez, au corps à corps, je mets des dégâts. Non, en vrai, non, je me trompe. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok. Bon, du coup, on va quitter. Du coup, le hamburger. On va y en voir plus sur cette arme. Donc, il a une vitesse de recharge de 1,5 secondes. Vous allez voir, c'est le plus intéressant à savoir, c'est la cône de frappe. Qu'est-ce que c'est? C'est la zone de frappe qui peut toucher en zone. Et il réduit lorsqu'il va passer au rang 5. Il va passer de 35 à 25. De 25 à 15 lorsqu'il est niveau 6. Et étoilé rose, c'est 10. Ce n'est pas pratique du tout. Parce que vous ferez moins de dégâts en zone, mais par contre vous ferez plus de dégâts en fait sur la même cible. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Oui et non, parce que... En vrai, il a un avantage. Il fera plus de dégâts sur une seule cible, mais par contre, il fera moins de dégâts sur plusieurs cibles. Ce que je le trouve ça débile. Sachant que j'ai fait moins de dégâts, sachant que j'ai pas de pilote. Mais là, si je mets le pilote avec mon implant de Humbergen, parce que vous pouvez avoir une mission avec, donc qui fait 6 dégâts, donc non, il augmente de 4% ses dégâts. On va le mettre et on pourrait mettre la durée de compétence, ça pourrait être sympa en vrai. Bon, 2%, hein, c'est juste un test les gars, mais si vous le maximisez, ça peut passer. Et là, on va le retester avec match personnalisé, créer un match. Et on va faire un mode 2 contre 2. Toujours ruée. Sinon, on pourrait faire quoi, ruée ou pas? Bon, on peut faire que... Non, on va faire tapis rouge, tiens. Ça pourrait être bien. Et là, on va mettre option remplir l'équipe. Voilà. Et là, on va retester. Et vous allez voir que je peux faire des dégâts en zone s'ils veulent bien se coller, on va dire. Ah ben, il m'a pas choisi la bonne map, tiens. 3, 2, 1, go. Let's get things started. Donc là, je ferai plus de dégâts vu que j'ai mon implant. En plus, vous voyez là, il va se coller. Parfait. Ah bah carrément il me l'a tué. Mais je pense à mon avis vous avez bien vu que je pouvais attaquer en zone. Parce que j'ai fait pas mal de dégâts à vrai dire. Par contre je suis mal placé. Faut bien le jouer en vrai. Vous voyez, j'ai mis des dégâts là. Mais vous avez bien vu que je fais pas ces dégâts et en plus il me tue avant. Ce qui est un peu débile. Comme je l'ai dit, je pense à mon avis, je l'ai mal joué. Il faut bien jouer cette arme. Certes, il faut bien jouer, mais il y a un petit impact sur le robot. C'est qu'en gros, si tu joues à un robot qui n'a pas de mobilité, enfin, pas de mobilité. Quand je dis pas de mobilité, ça peut être du genre un robot. Un kill shot par exemple, en fait il peut se faire counter par un guardian pardon. Et du coup c'est mort. Je sais plus qu'est-ce que j'avais le robot là. Ah oui c'était le Orion avec Javin Rack. C'est vrai. Comme ça on va faire des games. Donc
Ouais, je le trouve pas pratique du tout. Le seul robot qui peut être parfait sur cette arme, bah, ça reste quoi? Pas le Zephyr, le pas l'Orient. Oui, c'est vrai que l'Orient, ça va être... C'est pratique si tu sais bien le jouer. L'Orient, j'ai testé, ça fait masse de dégâts. Mais seulement bas niveau. Parce qu'au niveau, vous ferez zéro dégâts face au gros tank. Surtout en fonction de votre étoile. Tu compares avec d'autres shotguns, le shotgun que tu as, ça fera plus de dégâts qu'avec d'autres avec d'autres armes. Enfin, vous avez compris. C'est juste que ben, ce shotgun là n'est pas assez, il est pas assez puissant, mais il a beaucoup de vitesse d'attaque, ce qui est vraiment intéressant. Bon. Mais non, t'es mort comme ça, toi. T'es mort comme ça, comment tu peux mourir comme ça? On va se concentrer, les gars, parce que bon, on peut crever. Ça va, frère, abuse pas non plus. Oh, il a un HP, le frérot. C'est incroyable. Ah bah, il est mort. Ah non, il s'est auto-détruit, carrément. Mais sinon, l'arme, je la trouve intéressante. Banyovo, on pourrait la tester si vous voulez. Mais il fera beaucoup de dégâts. Alors, l'arme, de plus, elle est intéressante seulement, je trouve... Bah, ça dépend du mode de jeu. J'ai plutôt testé vraiment en mode 2v2. Que aux autres modes de jeu comme du 5v5 et point de contrôle, parce que je trouve pas vraiment intéressant à vrai dire. Il suffit vraiment de se coller aux ennemis et puis voilà, comme je l'ai dit, le surge, ça peut être très pratique face à ça, mais vraiment. Mais ouais, après les autres robots, je vois pas trop son importance, quoi. Ah, je suis mort. Bien joué. Je vais tester un truc, les gars. Noob identified. On va jouer ça. Ça va être drôle. Oh, il a tué carrément. Il est fort. Par contre, c'est le petit robot que j'ai pris. Vous savez quoi, je vais changer de robot. Hein. Bien joué. T'es mort. Eh ben c'est good. Good.
Bon alors, vite fait, je vais juste enlever mon hangar, les gars. Ça va être drôle parce que faut que je refasse mon hangar après. Juste pour vous le faire tester. Et mince. Alors, lorsque j'ai testé pour faire ma mission, en tout cas, et merci pour votre aide aussi, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'avais une mission qui était hyper compliquée. Et enfin, pas hyper compliquée, mais relou, quoi, on va dire. Mais sinon, vous m'avez gravement aidé. Et de plus, c'était cool de jouer avec vous. Ça, c'est super... En vrai, c'est super amusant, tu vois, de s'amuser et tout. Certes qu'on peut bien jouer solo sur Mac Arena. C'est vrai que c'est pas drôle à un moment, mais je m'amuse bien, quoi. Quand je joue avec pas mal d'entre vous, surtout que parfois même, on me redemande de jouer et le truc... moi aussi, je veux bien continuer de jouer, mais quand, tu vois, t'as pas le temps et tout, malheureusement, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. On s'amuse toujours. C'est tout à fait normal. Et là, je joue avec le lanceur, normalement. Ouais. Alors, j'ai fait quoi, moi? Je joue lanceur avec Javelin Rush 4. Maxé avec mon pilote. Déjà, avec ça, ça suffit amplement. Après, j'ai pris mon hamburger, ou les hamburgers, si vous préférez. Avec... alors, on peut jouer avec ça, mais c'est pas pratique. Il y a les arcs torrents. Mais je peux bien jouer avec ça. Parce que comme j'ai les dégâts d'Ambergun. Et ça, c'est pratique. Bon, là, je suis à 1000, je sais plus combien de dégâts. Et là, on va jouer Shotgun. Avec ça. Je garde... je prends ça. Ça, ça fait un peu de dégâts, mais bon. C'est avec des arcs torrents. C'est vrai que je pourrais mettre des arcs torrents, en vrai. Non? Oh, ça passe, Arc Torrent. Sérieux, je joue Arc Torrent si t'as avec ce robot. C'est quoi ce truc? Et là, je peux le jouer en 2v2. On va le tester. Encore. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et vous allez voir que je ferai pas mal de dégâts. Enfin, je ferai pas mal de dégâts parce que vu que les joueurs ont pas. Ils ont des robots très faibles. Après, je tombe aussi sur des surges, hein, faut le savoir. Mais ouais, ça m'arrive de jouer contre des bots et aussi contre des vrais joueurs, mais qui débutent aussi, qui, en fait, ils apprennent. Et après, il n'y a pas que des débutants, hein, aussi dans le niveau, tu peux tomber sur des bons joueurs qui débutent quand même. Vous savez quoi, je vais mettre un oui. 1, go. Get out of my way. Bon, mon idée, c'est de les attendre. Je sais pas où ils vont passer, mais je les attends. Ok, là, je peux. Oh, t'es mal les dégâts que j'ai collés. Non seulement c'est pas presque carrément corps à corps, mais je l'ai défoncé. Alors, comme quoi, 2 étoiles, ça fait extrêmement mal. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Et en 2 coups, en un seul clic, je l'ai one shot. Surtout que je crois que c'est avec l'implant. C'est intéressant avec son implant. Mais sans implant, tu vois. Ah, dommage, dommage. Il était tanky. Ouais, il avait un arrêt niveau 3. Non, 4. Il était pas mal tanky, je le tapais pas derrière le dos. Mais vous avez bien vu que je faisais des. En vrai. Vous avez bien vu que je faisais des dégâts. Lui, c'est un gros. Oh, vas-y, abusé. Il me saoule avec ses javelin rack et... il a déjà vu le crack 12, frère. Comment tu veux que je fasse avec... je joue avec ça? Incoming
Genre les javelins rack 12, ça marche, ça rentre là-dedans. 3, une blague, frère. 2, 1. Oh, tu l'as défoncé, frère. Bon, ça va, on a géré. Oh, c'était tendu, mais par contre, vous avez bien vu que j'ai les one-shot là. Juste avec les Amber Gun. Bon, après, son arrêt, ça fait. Ça tank. C'est un tank. Mais face aux autres robots, ouais, ça fait mal. Alors ça counter bien ce robot par contre, faut savoir. Il a pas de dégâts, il a pas de CD, pardon. Là il a eu son CD, mais ça counter bien le Guardian, vous avez bien vu. Parce que le Guardian ça délaie ta compétence et du coup, bah en fait, t'as toujours ton arme hein les gars. Vous avez bien vu, je faisais des dégâts en zone, donc c'est pété. C'est juste pété. C'est pour ça que je dis, plus tu améliores, ben, si t'es au max, c'est pas intéressant du tout quand t'es au max. Surtout ça. Ah mais frère, comment tu veux que je fasse avec ça, moi? Comment tu veux que je tue ça, moi? Le Ares, ça reste un bon tank. Ça, sachez-le que c'est un tank intéressant. Intéressant mais débile quoi. Ah je rigole. C'est pas tout à fait débile, c'est moi qui débile, c'est pas joué. C'est tout les gars. Non mais en vrai c'est fort les Zombergen. J'aime trop. Oh, c'est l'erreur. 3, 2, 1. Have won the match. Oh, c'est l'erreur ce qu'il a fait. Après j'avais l'implant. Avant quand j'avais pas l'implant, ben je pouvais pas one-shot. De plus, si vous avez un brick house, et que vous mettez les Amber Gun, vous n'êtes pas obligé, si vous avez le bonus du brick house plus le bonus du Orion, vous pouvez quasiment one-shot un Guardian par exemple, tanky. Par exemple 5 étoiles, même voire 6 étoiles. Donc derrière son dos, ça le full one shot. J'ai essayé avec Mike, bah en fait, il était un HP. Avec un HP, il y avait Gamer 4 qui avait mis, comment il s'appelait, le bonus du Breakout. Du coup, on a failli one shot. C'est fort, mais voilà, comme je l'ai dit, il y a une contrepartie avec. Et j'espère qu'un jour ils vont le buff. En fait, je veux juste qu'ils buff. Pas les. On va dire. Si, ils buff les dégâts. Mais. Quand il est au rang pratiquement max. Parce que 6797, pour moi, c'est peu. Et détruire. Et augmenter la cône de frappe. Ils l'ont réduit et je trouve pas ça intéressant du tout. Parce que, ben en fait, il va faire plus de dégâts sur une seule cible et pas plusieurs cibles. Et ça, c'est débile. Malheureusement, c'est débile. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas assez exploité. Donc, peut-être ça va être fort. Certes. Mais il faut le max. Mais regardez, niveau 6 étoiles, c'est presque équivalent à 3 étoiles. Dites-vous. Ça change pas de dégâts.
Regardez, sachant le 3 et le 4 d'étoiles, il a pratiquement les mêmes stats. Pratiquement. Je dis, parce que franchement, il y a un petit écart là, entre 2100 et 2644 là. Il y a un problème. Il devrait passer à 4000 et c'est pas fait. C'est juste parfait. 4000 dégâts pour 4 étoiles. Là, vous mettez 6000 de dégâts pour 6 étoiles, 5 étoiles. Et là, vous mettez pour 6 étoiles 7000 dégâts. Et max, c'est 10000 dégâts et c'est parfait. C'est juste par TV. Parce que les tanks, comme le Brickhouse, ça le détruit. Ouais, ça les détruit. Ça reste tanky, le Brickhouse. Et ça peut rendre utile. Ou même un robot comme un Surge, ça peut passer. Mais ouais, je le trouve pas intéressant. Au niveau, c'est pas intéressant du tout. De plus, ça le counter. Il y a une arme, un robot qui peut le counter. C'est le Guardian avec sa compétence de crash du système. Bah, en fait, ça réinitialise sa compétence. Donc en fait, ça réinitialise pas carrément sa compétence. C'est comme si t'avais, bah, en fait, quand même ton arme. Donc si vous avez le missile rack, oui, là, c'est gênant. T'étais au corps à corps et tout. Là, frérot, tu joues contre un Guardian. Tu vas faire quoi? Il y a juste ta compétence de robot qui est pas. Bah en fait qui est désactivé pendant un certain délai, mais par contre t'as ton arme quand même qui est toujours en place. Et surtout que si vous avez marqué sur un Guardian ou un autre joueur et que le Guardian vous fait un crash du système, vous garderez toujours sa marque. En gros, bah en fait il a une compétence useless. Et ça c'est très très fort. Franchement moi je trouve intéressant le Humbergen. C'est juste un compromis débile ce qu'ils ont fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas toujours fixe et j'attends toujours un fixe comme ça. Donc bon. Bref, sur ce, chers amis, on se retrouve à très très bientôt. Et merci de regarder cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.